Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Plan With Me du mois de novembre. Donc novembre, ça y est, l'hiver arrive, il commence à faire froid. Donc on va ressortir les pelotes de laine. Je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, et on attaque tout de suite le mois de novembre. Alors pour la citation, j'ai trouvé ça sur Instagram, il me semble. Je l'ai juste écrit comme ça, je ne sais pas exactement comment je le mettrai en couleur. Juste, j'aimais bien cette phrase. Et puis, donc les pelotes de laine et les petits chats pour les accompagner. Allez, c'est parti! Comme la phrase sur la page de gauche, j'ai trouvé l'inspiration sur Instagram. D'ailleurs, c'était le même compte. C'était des tampons. Celle qui avait fait ce thème-là, elle avait des tampons. Donc les chats étaient tout petits. Je lui ai demandé où elle les avait achetés, elle m'a dit sur AliExpress. Bon, pour ceux qui connaissent AliExpress, quand on cherche quelque chose de particulier sans avoir le lien, c'est très compliqué car il y a énormément, énormément de choses à vendre sur AliExpress. Donc je n'ai pas trouvé ces tampons. L'avantage, c'est que je les ai dessinés toute seule et que j'ai pu faire les tailles que je voulais, les mettre dans le sens que je voulais. Et finalement, ça rend pas trop mal. Pour la phrase de la page de gauche, vous avez parlé d'une citation. Je ne pense pas que ça soit une citation. C'est juste une phrase inspirante. Alors, la vie est plus belle et meilleure avec un chat. Moi, j'en ai deux, donc peut-être que ma vie est deux fois plus belle. Voilà, donc les pelotes de laine avec des petits points colorés, comme j'ai refait un peu partout, histoire de lier les pelotes de laine entre elles. Pour la double page mensuelle, j'avais déjà fait les ronds des pelotes de laine avec les fils de laine entre chaque rond, puisque c'est assez fastidieux à faire. Et puis, je pense que dans la vidéo, ça ne vous aurait pas trop intéressé de me voir faire 30 ronds pour avoir mes 30 jours du mois. Je suis venue en bas faire de nouveau des dessins de petits chats. Et comme vous voyez, les tailles de chats sont différentes. J'ai fait un grand chat sur la première page, la page de présentation pour le mois de novembre. Là, sur la page de gauche, j'ai fait un tout petit chat qui joue avec une pelote de laine, avec un petit ruban autour du cou. Et sur la page de droite, c'est un petit chat qui... On ne sait pas trop s'il joue avec les pelotes de laine, s'il regarde le papillon, ou s'il se dit « Oh, chouette, il y a une souris juste devant moi ». Enfin, ils ont l'air de bien s'entendre, en fait, ces deux-là. Toujours est-il que je peux faire des tailles différentes de chatons. Et puis, toujours, les pelotes de laine... Les petits points colorés après entre chaque pelote de laine pour donner une continuité à mon dessin. Et toujours quelques petits papillons que j'ai laissés blancs tout au long de mon thème mensuel. Ensuite, je suis venue refaire mon tracker, donc 5 choses à traquer. Comme le mois dernier, j'ai recommencé, donc en fait... Puisque je tourne la vidéo juste avant novembre, j'ai recommencé ce mois-ci et ça m'aide beaucoup à me motiver. Donc je me suis dit que pendant quelques mois, je vais continuer les trackers, histoire de reprendre ses habitudes. Et puis peut-être que je le supprimerai pour la suite. Mais pour l'instant, j'avoue que j'en ai un peu besoin pour me motiver à le faire. Et puis comme j'ai envie de colorier toutes les cases, ben, ça motive deux fois plus. Voilà, donc 5 trackers. Le petit dessin... Ça sera juste une souris sur cette page-là. Et puis les titres, comme les titres précédents, j'essaye de les faire en continuité, en écriture cursive attachée, histoire de faire comme si c'était un fil de laine qui venait écrire le titre. Ensuite, ma page de dépenses. Bon, ben, pour le titre, c'est la même chose. Ensuite, c'est encore un petit chat, encore une taille différente, avec la souris, le fromage, les pelotes de laine. Et puis, c'est vraiment un tableau que j'utilise depuis que je l'ai créé dans mon bullet journal. Je l'ai quelque peu modifié, puisque là, je ne viens plus mettre le total, puisque je sais, j'ai chaque catégorie de dépenses, et je sais combien j'ai par catégorie, mais j'aime bien noter, je m'y tiens à peu près, et j'aime bien le noter, ça me motive à pas trop dépenser en plus de ce que j'avais prévu.
Voilà, je viens toujours faire des lignes en couleur pastel. Je trouve que ça habille bien la page et puis voilà, c'est mignon. Enfin, c'est pas mignon, mais ça me plaît bien. Et là, comme vous pouvez voir, un bullet a gagné. Oui, j'en ai déjà vaguement parlé sur Instagram. Je vais essayer de faire pour le mois de décembre pour vous faire gagner un bullet journal qui commencerait en janvier 2022. Un bullet que j'aurai créé du début à la fin. Vous n'aurez plus qu'à le remplir. Donc, je vais chercher les pages de collection que je mettrai dans ce bullet journal, c'est-à-dire les premières pages. Et ensuite, les pages mensuelles. Qu'est-ce que je vais venir mettre dans les pages mensuelles? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Que ce soit des pages de collection ou des pages mensuelles, qu'est-ce que vous verriez dans un bullet journal à gagner? Il faut que ça puisse servir au plus grand nombre, puisque je ne sais pas à l'avance qui va gagner et qui aura besoin de quelle page. Voilà, donc restez à l'affût, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que je dois mettre dans ce bullet journal. Ensuite, une page de notes, alors avec encore un chat d'une taille différente qui s'est décidé à choper les pelotes de laine pour tricoter. Et puis, si vous aviez vu, même si là j'ai déjà tourné la page, je suis venue refaire les traits pour les lignes avec mon Tombow 990 qui me suit depuis le début du bullet journal pour les pages de notes. Ensuite, on arrive aux pages de semaine avec ma première double page qui est ma page to-do list que je fais. C'est le troisième mois que je l'utilise et vraiment j'aime beaucoup. Je note par semaine ce que j'ai à faire et ensuite chaque jour je viens voir dans ma to-do list ce que j'ai à faire et puis je fais quelques tâches, histoire qu'à la fin de la semaine j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Donc comme vous voyez, j'ai écrit to-do, tout d'un côté, do de l'autre côté. En écriture pelote de laine. Voilà, je sais pas si ça se dit. Je ne sais pas si j'aurais dû faire le T comme ça, puisque c'est un peu comme si c'était une pelote de laine qui avait déjà été un peu utilisée où il manque de la laine. Donc peut-être que j'aurais dû faire les traits plus inclinés. Bref, peu importe. Je trouve ça sympa. Voilà. Et les deux ensembles de tout sont rassemblés par un fil de laine. Je viens faire pareil de l'autre côté pour le doux. Et puis sinon, ben, toujours le petit chat qui regarde le papier en haut, une petite souris et un petit bout de fromage en bas. Les petits points pour lier les pelotes de laine et les traits dans les différentes cases. Et ensuite, les numéros des semaines. Pour mes semaines, comme je fais depuis tout ce bullet journal, je viens faire découper des intercalaires pour en avoir un par semaine. Et puis sur les petites languettes des intercalaires, je noterai les numéros de semaine, puisque j'ai tout en première double page avec ma to-do list. Voilà, donc les pelotes de laine pour les jours de la semaine. Je trouve que ça va bien, j'ai la place et puis j'ai pas besoin de trop de dessins pour ces pages-là. J'en ai fait pas mal avant. Ensuite, je viens mettre des traits, comme à mon habitude. Et voilà, je vais vous montrer le résultat final. Donc cette page-là, rien n'a changé. J'aime toujours autant. Tant mieux d'ailleurs, parce que je vais l'utiliser pendant tout le mois. Ma page mensuelle. Mes pages de tracker et dépenses. Je suis juste venue avec un crayon gris, un micron gris pointe fine, faire les petits traits dans les pelotes de laine. Sinon, rien de nouveau. Cette page-là, je n'ai rien changé. Cette page non plus. Ensuite, vous aviez vu la première semaine. J'ai fait les semaines suivantes. Alors, je suis pas très satisfaite. J'ai voulu les faire assez fines pour qu'on voit bien le numéro du jour. Mais du coup, ça ne rend pas trop comme des pelotes de laine. Eh bien, je m'en contenterai. C'est pas ça le plus important. Et je suis venue faire sur la dernière page que j'avais de libre, puisqu'il n'y a que 2 jours pour la fin du mois, un petit chat qui décorait le sapin, puisque nous arrivons en décembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à la partager, à partager ma chaîne, à vous abonner si ce n'est déjà fait et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas qu'il y a un bullet journal à gagner. Donc,
Restez bien à l'affût et surtout, mettez-moi en commentaire ce que vous aimeriez trouver comme page si c'est vous qui gagnez ce bullet journal. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.